שלום לכולם, ברוכים הבאים לחדשות בעברית, אקטואר ו-או. זה חדש? כן. יפה. מה נשמע, איציק? טוב, מה שלומך? כן, הכל בסדר. זה יהיה פחות בסדר בעוד כמה דקות, כי אתה תדבר על החדשות כן, של זה... השבוע שעבר. חדשות טובות וחדשות לא טובות. חדשות זה תמיד לא טוב, או זה, לא, זה יכול... יכול להיות... זה יכול להיות טוב ויכול להיות רע. בחרתי לכל יום בשבוע כותרת. אוקיי. אז אתה תקרא את הכותרות... את הכותרת הראשונה. כן. אוקיי. דימוש, יום ראשון. שתי רקטות נורו הלילה מרצועת עזה לאזור אשדוד, ראשון לציון במרכז הארץ, אין נפגעים ולא נגרם נזק. Alors, deux roquettes ont été tirées cette nuit de la bande de Gaza vers la zone ou la région de Ashdod, Rishon LeZion et le centre du pays, Merkaz Haaretz. Ein nifgaim, il n'y a pas de blessé. De touché, on va dire. On dit touché en hébreu, mais en français, c'est blessé. Ouais. Personne n'a été touché. Velo ni gram nezek, c'est-à-dire il n'y a aucun dommage qui a été causé. Voilà. Exactement. Aucun dommage n'a été causé. Itzik, tu es meilleur en français que moi. Je peux dire. Alors on peut dire, on peut parler peut-être du verbe noru ici. Okay. Alors noru c'est nora. Nachon. A été tiré, nora norta. Nachon. C'est le participe passé. A été tiré. Norta. Alors raketa yechola les hiyarot. Nachon. C'est rare. Ouais, c'est bizarre les hiyarot. Très rare. On n'emploie pas du tout l'infinitif. L'infinitif. Mais on peut dire donc ça peut être une roquette qui peut être norta, mais ça peut être aussi quelqu'un. Et quelqu'un qui a été tiré ou nora. Ça se dit pas en français. On a tiré sur quelqu'un, Michéou nora. Ou nora, c'est-à-dire qu'il a été tiré par. On a tiré sur lui. Oui, voilà. Et comment on dit tirer sur quelqu'un? Lirot. Lirot? B. B. Tamid. Lirot, tamid, c'est B. Tout à l'éthique. Et si on passait au lundi? Bnei ha'eda ha'ethiopit chogegim hayom et chag ha'sigd. Alors, les membres de la communauté éthiopienne fêtent aujourd'hui. La fête de Sigd. C'est quelque chose de très important parce que Eda, et ouais. C'est quelque chose qui est très courant. Moi j'aurais dit Keila. Non, Keila, en fait, Eda, c'est pas pareil. C'est communauté. Eda, c'est, ça dépend d'où tu viens, de quelle origine tu es. Ouais, voilà. Si tu es yéménite, ata meha Eda ha-temanit. Im ata maroukaï, ata meha Eda ha-maroukaït. Donc, zotlo Keila, Keila c'est communauté. Eda, c'est plus tes origines. Et en français, on traduira par communauté aussi. On dit la communauté éthiopienne. Comment, oui, c'est quelque chose de très particulier en Israël. Je ne sais pas comment dire en français autrement que ça. En Israël, Eda, c'est tes origines. Haïda, Sfaradit, machal. On dit Edot Amizrach. Voilà, Edot Amizrach. Chogegim, l'Achgog, évidemment, Hayom et Chag Asigd. C'est un Chag chez l'Éthiopim, Béthiopia, et Chagigou et Aliya Shelem, l'Yerushalayim. Alors en fait, ça vient de l'hébreu. Hein. Moi, je connais le verbe Lisgod. Oui, Misgad. Lisgod, Misgad, ça veut dire une mosquée, Misgad. Misgad, Lisgod, ça veut dire, c'est Lisgodle, ça veut dire adorer un dieu. Okay. Adorer un dieu. Anisoged, Anisoged lecha, Itzik. Non, chas v'chalila. Lisgod, mishwach. Si c'est votre dieu, Itzik, chas v'chalila. Lo. Toda, Itzik, nous, עכשיו, עוברים le Yom Shlishi. Yom Shlishi, ok. C'est-à-dire Yom Shlishi? Mardi. Mardi. שר החוץ של בחריין צפוי להגיע מחר לביקור בישראל. Le ministre de l'étranger, c'est-à-dire c'est le ministre des Affaires étrangères. Mais en hébreu, on dit le ministre de l'extérieur. Shel Bahrein, Bahrein. Le Bahrein. Tzafoui lehagia machar le bikur Israël. Tzafoui lehagia. Alors, tzafoui lehagia. Ça veut dire en français est entendu. Est attendu à arriver. Voilà. Tzafoui, c'est machar, être attendu. Voilà, on peut dire le machal, machar tzafoui la redet geshem. D'accord. On attend que. C'est un des verbes Letzapot. Voilà. J'allais dire Letzapot, tu vois. C'est le tzapot, c'est toujours attendre, et le tzapot, toujours les. Et la différence entre le tzapot et le chakot, c'est le chakot, c'est vraiment le temps, ouais. Mais le tzapot, c'est j'attends quelque chose de quelqu'un, une femme qui est enceinte, et dit Ani metzapa le tinok, et pas Ani mechaka le tinok. Nahon, et moi, ça me fait penser aussi à. C'est inattendu, c'est bilti tzafoui. Mais ça vient de là, c'est bilti tzafoui. Bilti tzafoui, tzafoui, bilti tzafoui. Nisbal, bilti nisbal, si vous avez déjà appris ça, supportable, insupportable, efshari, bilti efshari. Achav, yom. Yom revi, mercredi. Mercredi. Yom revi. Torim arukim shel konim bachanuyot shenifterhu etmol bemerkazei akniyot haptuchim. Alors, torim, c'est tor. Tor, la queue. Oui. Tors aussi un rendez-vous chez le médecin. Oui, mais la mode battant, ça veut dire faire la queue. Faire la queue. Donc, torim, des... Arukim, très longs. Des files d'attente. D'accord. Des très longues files d'attente, d'acheteurs, de consommateurs. Machanouya dans les
magasins chez Niftehu qui ont été ouverts. Qui ont été ouverts. Nibo, c'est le participe. Ouais. C'est le chez Niftehu, les Ipatar. C'est un Ifal. C'est au passif. C'est au passif, voilà. Chez Niftehu et Mol, qui ont été ouverts hier, qui ont ouvert hier, Bemerkazei dans les centres, c'est au pluriel, Bemerkazei dans les centres d'achat, Abtuchim, qui sont ouverts. Qui sont ouverts. Voilà. Yom Chamishi. Jeudi. חברת פייזר, החיסון שלנו יעיל ב-95%. אה, אינטרסנט. כן. זה סימן בנואל. כמו תגיד בנואל? בשורה טובה. עכשיו זה בשורה טובה. מאוד, בשורה מאוד מאוד טובה. כאילו. כן. חברת פייזר, la société. C'est la construit de חברה. פייזר, c'est Pfizer. זה השם של החברה. החיסון. שלנו, le vaccin. Notre vaccin. Voilà. Notre vaccin, Yaïl est efficace Nahon. À hauteur de 95%. Yaïl, Yaïla, Yaïlim, Yaïlot. Nahon, ça c'est Yaïl, c'est efficace. Et Chisoun, c'est le vaccin. Tu viens de la Chassen, vacciner. Le Chassen. Le Chassen, on a les Hitrasen. Les Hitrasen, Nahon. Les Hitrasen. On a aussi Chassinout. Ken. Chassinout, Betsafatit, c'est. L'immunité. Okay. Ça marche aussi pour les présidents et les politiques. Chassinut politique. Voilà. Okay. L'immunité. Itzik, on va terminer avec vendredi. Okay. Yom Shishi. Rosh HaMemshala Benjamin Netanyahu ya'avor haboker bdika shigratit shenikba'a merosh bema'arechet ha'ikul. Habdika te'arech tachat tishtush. Benny Gantz yemale et mekomo bizman habdika. Ok, Rosh HaMemshala, donc le premier ministre Benjamin Netanyahu passera ce matin un examen, chigratit de routine. Voilà, ça va être chigra. Voilà. Chez Nikbea qui a été prévu, qui a été fait, fixé, Merosh à l'avance. Bemaret a ikoul dans le système digestif, les hakel ça veut dire digérer. Habdika, cet examen, TRR. Aura lieu. Ouais, ce sera. Organisé aussi, ça veut dire TRR. Bon, là, aura lieu, bien là, sûr. Là, ça aura lieu. Elle sera, on dit en hébreu, elle sera organisée. Ouais, ouais, c'est ça. Elle sera organisée. Tachat tishtush, de manière floue. Non, lui, il sera. Rosh HaMemshala yem metushtash, c'est-à-dire qu'il ne saura pas où il est. D'accord. Ah, c'est drôle. Il va pas être endormi, ouais. Mais il sera. Liot metushtash, c'est. Ah, c'est rigolo. C'est que j'ai ta chetsi er, chetsi hachen. Parce que je sais ce que c'est metushtash, c'est flou. T'es flou. Un héroe metushtash. Voilà. Tishtush, c'est le fait de flouter. Tout à fait. Des fois, on fait des tests, on fait des opérations ou des examens où on n'endort pas complètement. Ah, d'accord. C'est entre les deux. D'accord. Donc, à table, matzav, shel tishtush. Bien fait. Benny Gantz, yemale et mekomo, donc il le remplacera. Alors, on peut dire Benny Gantz yachlif. Oui, yachlif. Ou il remplit sa place. Ou yemale et mekomo. C'est comme ça qu'on dit en hébreu. Il remplira sa place. Itzik. אף אחד לא יכול למלא את מקומך. זה ז'נטי. גם את מקומך. בזמן הבדיקה, פונדו. וואלה, אונדיפה, אוניברו, אונדיפה, פונדו, אונדי, לאור דגזמה. אונדיפה במשך. לטון דגזמה. אונדיפה במשך הבדיקה. לא במשך הבדיקה, אז כי הפנסון דטון. וואלה, זה פונדו לגזמה, נוגדו לגזמה, בזמן הבדיקה. נכון. איציק, תודה רבה. תודה, תודה רבה. ואני רוצה לאחל לך, ולכם. בריאות. ושבוע טוב. כן, שבוע טוב.